Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des brochettes de porc version tapas. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette. Alors, on a ici des tranches de rôti de porc, des croûtons, des câpres avec une gousse d'ail, un petit peu de mayonnaise, un citron, des sardines à l'huile et ici quelques pousses d'épinards. Alors vous allez voir que le principe est très très simple. Donc la version en général du vitello tonnato, on le sait, c'est le thon cuit avec les légumes, etc. La version simplifiée, c'est mayonnaise avec du thon à l'huile. Et nous, on va faire une variante de celle-ci, c'est-à-dire qu'on va prendre de la mayonnaise avec du citron, les câpres ainsi que la gousse d'ail et des sardines à l'huile. Alors vous allez voir que c'est intéressant parce que c'est un petit peu plus typé étant donné que la viande n'est pas du veau mais est aussi du porc, donc plus typé. Alors, dans un premier temps, je vais mettre les câpres et la gousse d'ail dans mon petit robot. Et puis, je vais y mettre mes sardines avec le jus. Je vais verser ma mayonnaise, quelques zestes de citron et évidemment, un petit trait de jus. Alors, juste quelques gouttes. Maintenant, on va passer au mixage. Alors mixez quand même assez fin, n'oubliez pas, vous avez à l'intérieur une gousse d'ail. Donc si elle n'est pas suffisamment mixée, vous risquez de tomber dessus et cru, croyez-moi, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable forcément. Pour la réalisation des brochettes, alors j'ai ici des petites pousses d'épinards, mon rôti de porc que j'ai coupé en tranches. Hop, j'intercale avec une feuille de pousse et je continue. Essaye de prendre des belles feuilles, ça va aussi. Alléger un petit peu. Encore une fois, retenez toujours la technique, la méthode et pas forcément toujours les ingrédients. C'est pas ce qu'il y a de plus important. On va prendre la sauce. Regardez ce qu'on va faire, tout simplement. On va venir napper entre les tranches. Et quand vous avez terminé, vous revenez mettre encore un petit peu de zeste dessus. Donc vous voyez, parfois des choses très simples peuvent être délicieuses. Et là, on aime bien que ça croque. Donc on vient remettre encore dessus quelques petits croûtons. N'hésitez pas à varier, changer la viande, utiliser du poulet, du veau, varier les poissons. Ça peut aller du thon fumé, ça peut être des petites sardines fumées, ça peut être aussi avec du saumon fumé, pourquoi pas, pour une version, pour une occasion spéciale. Enfin, quoi que ce soit que vous essayez, n'oubliez pas, notez, prenez des photos, vous nous les envoyez et on les publiera sur la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit !